laisse-moi, s'il te plaît. Quoi? Laisse mes cheveux, qu'est-ce qu'il y a? C'est pourtant magnifique. J'appelle ça des cheveux de rêve. Oh, c'est vrai? Exact. Et tu as l'air magnifique avec. Arrête, laisse mes cheveux, c'est quoi? C'est tellement doux de t'avoir sur mes bras, tu sais. J'aimerais tellement que ce moment ne finisse jamais. N'est-ce pas merveilleux de voir deux cœurs se rassembler pour devenir un? C'est tellement magique de vivre l'amour avec toi. Je prie que rien de mal ne puisse nous arriver. Rien de mal ne va jamais nous arriver, bébé. Cela n'arrivera pas. C'est toi et moi contre le monde. Allô, c'est Madame Onita Ogisi au téléphone. Oui, c'est Nita Ogisi. En quoi puis-je vous aider? Non, je n'ai pas besoin de votre aide. J'ai un message à vous passer au sujet de votre bébé. Votre bébé est en vie. C'est le bébé de Fiona qui était mort. Elle vous a fait un jeu avec le corps médical pour avoir votre bébé. Sachez que votre bébé est en vie. Elle est avec Fiona. Êtes-vous sûr de ce que vous me racontez? Allô? Reviens à moi, je t'en supplie. Je sais que je t'ai blessé. Mais tu dois me pardonner. Notre bébé est en train de dormir très sagement. Oui. Et mon ami est en train de la surveiller. Plongé dans le pensée. Tu es en train de penser à propos de ton dernier investissement. Oh, je comprends. Tu es en train de penser à propos de tes responsabilités de père, n'est-ce pas? Bébé, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à avoir peur. Fiona, je ne suis pas d'humeur pour ça, ok? Où est-ce que tu vas? Richie? Comment est-ce que j'ai pu me retrouver dans cette merde? Bordel! Je l'avais suspecté. C'est elle qui avait enfanté un enfant vivant. Et non moi. Mais comment peux-tu tirer des conclusions à partir d'un simple appel anonyme? Je veux dire, ces gens ne font que si ils jouent avec ton esprit. Tu ne m'écoutes pas, Alex. Cet enfant m'appartient. Je sentais très bien le ténèbre lors de mon enfantement. Mais de quoi est-ce que tu parles? Ne vois-tu pas qu'il ne t'a jamais aimé? Je veux dire que c'était une erreur pour toi de tomber enceinte de lui. Tu dois avancer. Je ne permettrai jamais
que mon enfant grandisse dans le mât de cette femme. Jamais. Écoute, je dois aller vers lui et lui raconter tout ce qui se passe. Je dois tout lui dire. Quoi? Absolument tout? Oui. Tout. Ah, voyons, Anita. Tu veux vraiment que Richie sache tout? Tu ne peux pas faire ça. Tu connais très bien la dette de ce secret. Nous allons tous mourir un jour. Aucun homme ne quittera cette vie en vie. Écoute, je pense que tu dois vraiment y réfléchir. Et crois-moi, tu ne pourras plus revenir en arrière. Ça ne cloche pas avec Rich. Il n'a pas l'air heureux. Eh ben, il n'y a rien que je ne puisse faire à propos. Je peux conclure que ça ne va pas au boulot, voilà pour qu'il agit comme ça. Ça s'est dit avant que tu ne te pointes à l'horizon. Tu lui as ravi son homme. J'ai ravi son homme? Eh ben, si ça a été facile de lui ravir cet homme, cela veut dire tout simplement qu'il n'a jamais été sien. Richie m'a protégé. Il était là pour moi. Il m'a prouvé que je pouvais compter sur lui. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de me l'exposer. Tu n'as pas besoin de parler de l'expérience d'Erwin. Bien. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Et t'accompagner à tous tes mouvements. Je peux dire que Dieu est en train de la punir. Ça, c'est mon enfant. Je prendrai soin d'elle et je vais la protéger de toutes mes forces. Mais... quelque chose me dérange. Qu'est-ce que ça peut bien être? Madame la fouineuse, ne me dites pas que tu es devenue soudainement une enquêtrice. Laisse-moi profiter de l'occasion pour t'offrir le meilleur. Puisque... Si je te mets au parfum de ma raison d'être ici, je suis certaine que tu vas trembler à un point extrême. C'est pour de vrai? Bien sûr. S'il te plaît, montre ça bien. Je savais que ça allait attirer ton attention. C'est très évident. J'ai essayé de t'appeler. Je suis allé te voir dans ton bureau, mais tu ne voulais pas de moi. Je sais que je t'ai fait du mal. Je le sais. Je sais que je n'aurais pas dû m'engager avec Fiona quand elle a accouché. Mais je crois que c'est une chance pour nous de surmonter cela. Nous pouvons surmonter ensemble. On peut le faire ensemble. On ne peut rien surmonter ensemble. Tu ne veux plus rien dire pour moi, Richie. Je te dis, rien du tout chez moi. Je ne m'y attendais pas, mais... Richie, tu m'as offensé. Je t'en prie, pardonne-moi, Anita. Je t'en prie. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Alors, pourquoi es-tu ici? J'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce que c'est? À propos d'Everest. Ma fille? Oui. Qu'est-ce que... J'avais reçu par un appel. Par hasard, est-ce qu'elle te rappelle ton enfant mort-né? Quoi? Fiona! Est-ce que ce n'est ça qu'elle voulait parler? À Fiona! Son enfant mort-né.
Fiona, ne me provoque pas. J'ai parlé de... Au sujet du fait que tu n'arrives plus à faire des enfants. Peut-être que tu avais fait beaucoup d'avortements et ces derniers ont endommagé ta matrice et tu n'arrives plus à faire d'enfants. Hé, arrête de te moquer de son état. Fiona, je ne vais plus continuer à me provoquer. Parce que je ne l'ai plus permettrai... Tu ne feras absolument rien, ma belle. Tu ne feras rien. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, c'est toi qui es en train de me provoquer. Ok, assez. Je t'interdis de parler à mon invité de cette façon. N'est-ce pas que c'est à toi? Prends-le. C'est quoi ça? Demande-lui. Elle est le mieux placée pour te le dire. Et je suis sûre que cela sera assez convaincant pour qu'elle puisse quitter ma maison maintenant. N'est-ce pas, Anita? Anita, pourquoi est-ce que tu ne parles plus? Anita, que veut dire cette bague? Pourquoi as-tu parlé de mon bébé? Anita! Hé, hey, je t'interdis de prendre des décisions à ma place. Tu ne peux pas. Oh, vraiment? Exact. Et ta manière de chasser tout le monde auprès de moi, tu dois arrêter de faire ça. Eh ben, je ne me rappelle pas d'avoir chassé quelqu'un auprès de toi si c'est pas cette vieille peau. Hé, 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 ne l'appelle plus comme ça. Non, surtout pas. Regarde-toi. Juste, prends un moment de te mirer. Elle a avancé avec sa vie. Mais toi, il suffit seulement qu'on cite son nom et tu trembles. Exact. Exact, c'est parce que je l'aime, ok? Non, Richie. Non, plus maintenant, parce que maintenant c'est moi qui fais partie de ta vie. Je suis la mère de ton enfant. Mais je l'ai rencontré avant. J'étais prêt à l'épouser et Dieu seul sait comment est-ce que j'aurais été le plus heureux dans cette vie. Jusqu'à ce que tu ne débarques et vu que j'avais pitié. Et tu as arrêté? Stop! Richie, arrête ça, stop! Stop, parce que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes et cela n'a rien à voir avec la pitié. Tu ressens de l'amour pour moi, tu m'aimes. Écoute, je me fiche complètement de ce que tu penses, Fiona. Je me fiche complètement de toi parce que je ne pense qu'à notre enfant. Et sache-le bien, quelle est la seule raison, la seule chose qui nous unit tous les deux actuellement? Comment oses-tu me dire hey, ça, Richie? Arrête de me pousser. Comment oses-tu dire cela pousser, en ma présence? Arrête de me pousser. Écoute, c'est moi que tu aimes. Je suis la mère de ton enfant. C'est moi que tu aimes. Comment peux-tu me parler hey. Comme ça? Comment peux-tu? Reviens à toi maintenant. Arrête de me pousser. Comment oses-tu? Fiona, comment peux-tu me parler comme ça? Je te préviens pour la dernière fois. C'est moi la mère de ton enfant, donc c'est moi que tu aimes. Comment peux-tu l'aimer? Comment peux-tu parler comme ça en ma présence? Arrête de me pousser. Arrête de me pousser. C'est moi que tu aimes. C'est moi que tu aimes. C'est moi que tu aimes. Elle connaît tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle l'a su. Elle connaît mon secret. Et comment peux-tu en être si sûre? Elle m'avait donné ceci et je ne pouvais dire mot. Oh. Je te le promets, je t'emmènerai à Bahamas. Et même à Acapulco ou Mexico, tu sais. Quelle que soit celle que tu choisiras. Je te le promets, je t'emmènerai là-bas. Hein? Voyons, t'inquiète pas pour ta mère. Je vais m'occuper d'elle, ok? Ok, je vais m'occuper d'elle. Écoute, pour te montrer que je suis sérieux dans ce que je dis. Je veux faire de toi ma femme. Je te le promets, tu ne vas pas le regretter. Je promets de t'aimer tout le restant de ma vie. Quoi qu'il en soit,
Il semblerait que tu n'aies pas de bonne humeur. Laisse-moi te mettre dans l'ambiance. Allez, voilà. C'est la même bague qu'il m'avait remis cette nuit-là. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a découvert. Mon sale passé est en train de me ruiner. Voyons, Anita. Voyons, ne dis pas ce genre de choses. Tu essayais seulement d'aider ta mère malade. Puisse son âme reposer en paix. Écoute, tu étais dans une situation désespérée et il avait essayé de t'aider pour un prix. J'ai peur qu'elle lui dise tout. Ouais. Je présume qu'elle fera tout pour te pourrir la vie maintenant. Mais je te conseille de l'oublier afin d'avancer. Alex, alors à propos de mon enfant... À propos de ton enfant, tu ne vois vraiment pas que cela n'apporte que confusion dans tout ça? Non. Non, elle veut rester mon enfant. Elle est mon enfant. Je peux très bien le sentir. Après mon accouchement, j'étais dans l'inconscience. Mais je leur avais dit de me donner mon enfant. J'avais demandé mon enfant. Et lorsque je m'étais réveillée, je n'avais pas vu l'enfant dans mes mains. Il m'avait dit qu'elle était morte. Mais j'avais senti quelque chose d'étrange dans ce bébé mort. Je crois que ce n'était qu'une coïncidence que toutes les deux soyez livrées le même jour et dans le même hôpital. Et si jamais elle l'avait planifié, elle le savait. Elle savait qu'elle allait accoucher d'un mort-né. Elle le savait. Calme-toi. Oh. Calme-toi. Calme-toi, tout ira très bien. Ok? Qu'est-ce que c'est ça, Alex? Mais qu'est-ce que tu fais? Pour l'amour de Dieu, tu es mon cousin et tu dois garder ta bande. Voyons, tu sais très bien que je n'aime pas te voir pleurer. Où est Everest? Elle est dans sa chambre.
Ok. Oh, voyons. Chérie, je suis désolé. Regarde-moi. Non, arrête. Voyons, allez, viens, on va parler. Pourquoi tu me présentes tes excuses? C'est presque tout le jour que tu me rappelles combien Anita est meilleure que moi. Non, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais dit ça et je ne compte jamais vous comparer. Chérie, je veux juste que nous puissions vivre en paix. Écoute, moi aussi je veux que nous puissions vivre en paix. Écoute, promets-moi que tu vas arrêter de l'aimer et que c'est moi que tu vas aimer et moi seule. Je veux que tu me promettes en ce moment même que tu vas m'aimer, que tu vas aimer notre fille et passer plus de temps avec nous. Je ferai de mon mieux. Bébé, tu sais bien que notre fille veut être avec toi. Elle veut passer plus de temps avec toi. À chaque fois que tu me blesses, elle se sent aussi blessée. Ok. Écoute, chérie, je t'en prie, s'il te plaît. Pas maintenant. Ok, ne le faisons pas maintenant. Juste, bonne nuit. Ok? Vraiment? Oh mon Dieu, la liste ne fait que s'allonger encore et encore. Attends un peu. Oh, même ça aussi c'est faux? Oh, le monde ne cessera de nous étonner. Oh Seigneur. Waouh. Dis-moi que tu as passé nuit avec le prince d'Angleterre et je te croirais. Tu sais, il a toujours été dit que quand tu pars rendre visite à ton ennemi, tu ne peux pas y aller la journée et porter une tenue avec une couleur frappante. Tu dois aller quand il fait noir, comme ça, ils sauront que tu es venu parler business. Ainsi dit la reine de la nuit. Et tu as raison, puisque... Exactement ce que tu veux dire. Peu importe ce que tu t'imagines, sache que c'est ça. S'il te plaît, rends-moi service, veille sur Everest. Je reviens dans très peu de temps. Je le ferai avec plaisir. À tantôt. Ok. Puisque tu as dit que tu ne viens pas avec moi, laisse-moi aller m'amuser tout seul. Prends soin de toi. C'est à moi de te dire de très bien prendre soin de toi. Et rappelle-toi, ne prends pas l'alcool pour conduire, s'il te plaît. Bien, puisque tu le dis, je vais être prudent. Ne t'en fais surtout pas. T'en fais pas, je serai en état de conduire. Viens là. Ok, arrête. Ce n'est juste qu'un câlin. Je te dis d'arrêter, vas-y. Que fais-tu ici à cette heure de la nuit? Qui t'a permis de venir chez moi? Tu dois toujours fermer la porte. Tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra te visiter. Est-ce une violation? Si tel est le cas, je dois appeler la police. Il est temps pour nous de causer comme des gens civilisés, de femme à femme. Dis-moi ce que tu as à dire. Fiona, je n'ai rien à te dire. Mets-toi, Anita.
Assieds-toi. Mets-toi. Je suis sûre que tu connais la raison pour laquelle je suis venue. Peut-être que cela a un lien avec tes secrets obscurs. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu avais tué le père de Bridget. Chief Dan Collins. Tu savais qu'il avait un problème cardiaque. Mais ton désespoir et ton égoïsme a fait en sorte que tu puisses coucher avec ce pauvre homme dans l'état à laquelle il s'est trouvé. Et cela a tué cet homme avec un arrêt cardiaque. Et quand tu avais réalisé que personne ne t'avait vu, tu t'es enfui. Et pour couronner les tout, tu as commencé à sortir avec son fils. Je ne savais pas qu'il était le papa de Richie. Tu as abandonné ta précieuse vie. Tu as laissé tout ça derrière toi pour te donner à 100% dans la prostitution. Mais peu importe, tu as été chanceuse. Tu as trouvé un bon boulot grâce à l'homme que tu as tué son père. Anita, tu as raconté à Richie que Everest était ton enfant. Tu as raison. C'est ta fille. Mais tu sais quoi? Tu iras dire à Richie que tu mentais. Que ton enfant était mort. Everest n'est pas ton enfant, tu étais juste en train de mentir. Je ne ferai pas telle chose. Tu feras exactement ce que je te demande. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose que je te demanderai de faire. Tu devras lui dire aussi que Andy n'est pas ton cousin, mais plutôt ton amoureux. C'est lui qui était responsable de cette grossesse. Je ne le ferai pas. Je ne vendrai pas ma dignité. Tu feras exactement ce que je te demande de faire. Sinon... J'ai des éléments qui pourront ruiner ta vie si tu ne fais pas ce que je te demande. Sache que quelqu'un t'observe de très loin. Qu'est-ce que je t'ai fait? Voyons. Réponds. Anita. Bébé, voyons. Sérieusement? Voyons, voyons. Voyons, je vais juste parler avec toi. S'il te plaît. Je ne sais que faire. Je vois que je ne récupérerai jamais ma fille. Elle l'a confirmé. Everest est ma fille. Mais c'est un crime très sérieux. Ça mérite une punition devant la loi. Et alors moi? Ce qu'elle a fait n'est pas comparable à ce que j'avais fait. Je suis très sûre que Richie va me détester. Je ne suis même plus sûre de reprendre ma fille. Tu as toujours peur.
Tu as toujours peur de ce qu'il peut penser, alors qu'il a eu le culot Je l'aime, Alex. J'aime Richie. C'est juste que j'ai mal lorsque je pense que ma fille est entre les mains de cette femme. En tout cas, franchement, je ne sais que faire. C'est bon, arrête, ok? On va réfléchir sur une stratégie. Mais pour le moment, tu dois essayer de te calmer. Viens là. Alex. Tu disais que... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je suis vraiment très confus à chaque fois que je me rapproche de toi. Pour l'amour de Dieu, tu es mon cousin. Nous ne sommes pas du tout des cousins proches. C'est un problème. Mais, oh Dieu. Je suis désolé. Désolé. Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, ne t'approche plus jamais de moi. On dirait que tu viens de gagner un loterie. Laisse-moi t'avouer que tu l'as bien joué. Ferme ta bouche, arrête. Tu aurais dû voir son visage. Elle avait l'air d'une personne qui avait rencontré un fantôme. La vérité est que c'est exactement ce que j'attendais d'elle. Oh. Elle sait déjà qu'elle veut rester sa fille. Mais comment elle a su? Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui lui a sûrement dit cela. Je suspecte cette infirmière. Mais peu importe. Bien. Je suis du côté le plus important de ta vie. Je sais. Voilà pourquoi je veux que tu puisses garder très jalousement mon secret, ma belle. J'espère que tu n'as pas perdu ces images. Bien sûr que oui. Je les ai déjà aussi imprimées. Parfait. Oh, bébé, tu es revenu? Salut, j'ai fait ton plat préféré. Eh oh, tu vas passer comme ça sans faire une bise à ta fille? Tu lui as beaucoup manqué. Bébé, où est-ce que tu vas comme Quelque part pour réfléchir. Est-ce que tu as vu ça? Il est sorti, il est allé voir cette sorcière. Apaise-toi. Tu as les documents? Oui, j'en ai. Apporte-les-moi. Apporte-les vite. Bien, ok. Anita, tu m'as tellement manqué. Tellement. Tu sais que je ne peux vraiment pas être moi sans toi. Sans tes caresses, ne tes baisers ainsi. Ne me prononce pas ce mot. Tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Oui. J'ai peur que ça va changer toute chose. Et pourquoi as-tu l'air de quelqu'un qui pleure? Je veux que tu connaisses la vérité. Je ne t'ai jamais aimé, Ruchi. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Tu ne fais qu'essayer de Je me repousser. Je ne suis pas en train de te repousser.
Je te dis juste la vérité. Je ne t'ai jamais aimé. Et l'enfant... Parle-moi de l'enfant. L'enfant quoi? Tu avais voulu me dire quelque chose d'autrefois. La grossesse n'était pas la tienne. Je t'avais menti, Richie. Non, ça ce n'est qu'une blague. Je te dis la vérité. Dieu... Dieu est en train de me punir à propos de tous ces mensonges. À cause de cette peine que je t'avais causée. Cela ne peut être vrai, ok? Parce que tu m'avais dit que tu m'aimais. Tu me l'as dit en plein visage. Et à plusieurs reprises que tu m'aimais. C'était du mensonge. Non, nous étions sur le point de nous marier avant que Fiona entre sur la photo. C'était du mensonge. J'avais menti. Alex n'est pas mon cousin. Il est mon amour. Richie, qu'est-ce qui se passe? Tout ça n'était que mensonge depuis le tout début. C'est ça, un gros mensonge. Quel mensonge? De quoi est-ce que tu es en train de parler? Elle m'a menti. Elle n'a jamais porté mon bébé. Et elle couchait déjà avec un autre homme. Ah, je le savais, je le savais. Je te le disais, mais tu refusais de m'écouter. Je veux dire, c'était très beau pour être vrai. Cette fille est une menteuse. Tout ça, c'est parce qu'elle savait que tu étais un homme bon. Voilà pourquoi chaque fois que tu lui demandais un mariage, elle refusait. Parce qu'elle savait, tout simplement, parce qu'elle avait des secrets. Je crois qu'elle en a encore plus. Qui ne voudra pas être avec un homme comme toi? Un homme très aimant, très gentil et attentionné. Qui ne voudra pas? J'ai besoin de ton aide. Je veux que tu m'aides à oublier tout ça. Toi et ma fille, êtes mon monde maintenant. Oh, t'inquiète. Ça va aller. Je suis là. Merci, bébé. Anita! Anita? Annie. J'ai déjà réfléchi. Je pense que c'est le mieux à faire pour toi. C'est mieux qu'il te voie ainsi. Fiona est en train de me manipuler. Je peux voir la haine dans ses yeux. Richie me déteste maintenant, et si je n'agis pas le plus vite possible, je vais perdre ma fille. Tu ne peux plus m'arrêter. Bien, merci infiniment pour m'avoir invité. Merci. Soyez le bienvenu. Et il y a une chose de plus que j'aimerais que tous les deux sachiez. C'est primordial dans le mariage. Et cette chose, c'est l'honnêteté. Tous les deux devraient être honnêtes l'un envers l'autre. Oh oui. Et c'est la seule manière pour vous de former une formidable équipe en tant que couple. Dieu te bénisse, Fiona. Qu'il vous bénisse aussi. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux me faire taire maintenant? Calmez-vous, calmez-vous. M'as-tu entendu? Tu ne peux plus jamais me faire taire. N'est-elle pas celle-là? Oui. L'ex de mon mari ne veut pas nous laisser tranquilles.
Tu n'es pas censé être dans cette maison. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici pour... Tu es ici pour rien du tout, donc va-t'en. Fiona, calme-toi. Non, elle doit partir de chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Fiona, tu avais pris ma fille. Écoutez-moi d'abord. Je veux mon enfant maintenant même. Écoutez, cette femme est une folle. Attends, calme-toi. Anita, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu vois, je te disais, cette fille est une folle. Elle est folle, c'est une aliénée. Ça ne va pas dans sa tête. Faites ça. Parlons-en, s'il vous plaît. Calmez-vous. Elle doit partir d'ici. Qu'elle quitte ma maison, va-t'en. C'est vrai. Je veux mon enfant. Tu as mon enfant. Allez, sors de chez moi. Va-t'en. Qu'elle parte de chez moi. Qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle parte. Elle veut voler mon enfant. Assez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous deux devez l'expliquer maintenant. Ok, bien, je crois qu'on va... Qu'est-ce qui se passe exactement? Calmez-vous. Essayons d'en parler, ok? Qu'elle parte de chez moi. S'il vous plaît. Qu'elle s'en aille. Viens. Anita. C'est quoi? Viens là. Calme-toi, ok? Ok, calme-toi. Tu dois m'écouter. Toi et toi seras le pouvoir de trouver une solution face à ce problème une fois pour toutes. Je te l'ai dit, je t'ai conseillé, mais tu n'as jamais voulu écouter. Là maintenant, tu vas aller là-bas et lui dire la vérité. Cela se passera sur mon cadavre. Je ne vais pas laisser cette fille gagner. Fiona. Tu sais, ton travail... et d'implorer Dieu pour qu'il puisse me pardonner. Ok, Anita, tu dois vraiment m'expliquer parce que honnêtement, je suis confus. Tu m'as pourtant dit que c'était un mensonge, que tu n'étais pas enceinte de moi. Alors comment est-ce que... J'avais menti. Elle veut rester notre fille. Elle est notre bébé. Est-ce que tu t'entends parler? Tu commences à croire à tes propres mensonges? Rich, t'occupe pas d'elle. Elle est en train de souffrir de dépression mentale ou je ne sais quoi. Je ne souffre de rien. Ok. Alors, du fait que nous parlons du tout et du rien, Anita, veux-tu les lui dire ou soit tu voudras que je le fasse? Vas-y. Mais tu ne vas plus jamais me manipuler. Un instant, de quoi parlez-vous toutes les deux, hein? Dites-moi. Ce que je sais de dire que... Je suis désolé les gars, mais vous ferez mieux d'ignorer Anita. Je pense qu'elle ne va pas bien depuis qu'elle s'est réveillée aujourd'hui. Alex, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Anita, ce jeu est perdu d'avance. Je ne veux pas te voir souffrir. Attends, pourquoi est-ce que tu lui fais taire? Parce qu'elle vient à peine de dire que ma fille est la sienne. Écoute, Richie, Anita s'est réveillée totalement amnésique aujourd'hui. Je pense que c'est à cause de la perte de son bébé. Désolé pour tout ce qu'elle a causé. Allons-y. Hey, Anita, que veux-tu dire par... Est vrai, c'est tienne? Hey! Fiona, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? As-tu une idée de ce qu'elle vient de dire? Je ne sais pas. Cette fille est folle. Tu vois, son cousin vient juste de lui dire qu'elle est folle. Elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête. N'est-ce pas qu'elle est folle? Elle est folle. Chérie, s'il te plaît, ignore cette fille. Ignore-la. Tout ce qu'elle veut, c'est gâcher notre bonheur. C'est ça. Tu ne dis rien du tout jusque-là. C'est parce que je n'ai rien à dire. Elle a dit que Everest était sa fille. Ok? Tu étais sur le point de dire quelque chose sur elle et elle s'est tue à la seconde. Alors? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Everest est ta fille? Richie, je ne vais pas m'asseoir et te laisser m'insulter à cause d'une femme qui est instable mentalement. Tu n'as pas répondu à ma question. Comment peux-tu m'accuser d'une chose pareille? Je ne t'accuse pas de quoi que ce soit, je veux juste connaître la vérité. Cette femme est une menteuse.
Premièrement, elle t'avait dit qu'elle n'était pas enceinte de toi. Et par après, elle est venue te dire que c'était la mère de mon enfant, mon propre enfant. Si tu as besoin d'accuser qui que ce soit, ce sera cette sorcière pas moi. Écoute, ça ne tourne pas rond, ok? Ça ne colle pas. Il semble que quelqu'un l'ait forcé à dire ce qu'elle a dit. Et tu crois que cette personne, c'est moi? Pourquoi tu penses toujours du mal de moi? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? C'est tout le jour que tu me détestes, tu me hais. Pourquoi tu sais ce que tu fais là? Tu le fais à chaque fois. Tu essaies de me manipuler avec des larmes. Mais ça ne marchera plus cette fois-ci. Écoute, calme-toi, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, je t'en prie, viens t'asseoir. Arrête de pleurer, je t'en prie, hein. Viens, assieds-toi. Calme-toi. Je ne peux plus. Je n'arrive plus à y penser à chaque fois que je les pense. J'ai envie de m'étrangler même. Je sais que c'est dur. Mais tout ça, ce serait mal terminé pour toi si je n'étais pas venu au bon moment. Franchement, à quoi est-ce que tu pensais? Que tu aurais récupéré ton enfant de cette façon-là? Qu'est-ce que tu attendais de moi? Parce que je n'ai rien fait. Elle sait absolument tout sur toi, Anita. Elle t'a remis un document qui est complètement chargé de ton passé. Ce que veut cette femme plus que tout au monde, c'est te voir aller en prison. S'il te plaît, j'ai juste besoin de mon enfant. Je veux juste avoir mon enfant, c'est tout ce que j'ai demandé. Elle va bien, ne t'en fais pas, tu la récupéreras. Comment? Ça viendra, t'en fais pas. Écoute, tu dois vraiment te reposer maintenant. Qui est-ce? Un instant. Où est ta cousine? Tu veux dire mon amoureuse? Bon, je t'en prie. Respectons-nous l'un et l'autre, ok? Arrêtons de jouer, ok? Toi et moi savons que c'était un mensonge. Mais ce n'est pas un mensonge. Et pour la peine, Anita et moi allons nous marier très bientôt. Voyons, mon bro, qu'est-ce que tu racontes? Elle ne va pas t'épouser, même si vous êtes amoureux l'un et l'autre. Elle est faite pour moi. C'est ce que tu crois. Mais elle est passée à autre chose. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence qu'elle ait déclaré que Everest, ma fille, soit la sienne. Je veux dire, nôtre. Bien, comme je te l'ai dit tantôt, elle était dans un état de confusion. Elle était perturbée par la perte de son bébé. Cette femme devant moi était absolument consciente des mots qu'elle disait. Tout ce qu'elle disait, elle le savait. Ok? Et je sais très bien pour la peine qu'elle a encore plus à me dire. Assez à te dire? Anita. Anita, je sais que tu es consciente de tout ce que tu avais dit. Je le sais. Ok? Je pouvais le voir dans tes yeux. Est-ce qu'elle te maltraite? Hein? Est-ce qu'elle te menace? Parle-moi, je t'en prie. Comme l'avait dit Alex, non. Je ne m'étais pas très bien sentie. Voyons, voyons, voyons. Est-ce si difficile pour toi de tout mettre sur la table une fois pour toutes? Voyons. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Hein? Tu veux juste continuer de me confondre? C'est ce que tu veux, hein? Est-ce pourquoi tu es revenu dans ma vie? Je t'avais dit que je n'ai rien contre toi. Oh, voyons. Que j'avais perdu mon enfant et que j'avais menti que c'était toi son père. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas une seule seconde. Ok? Parce que si c'est le cas, pourquoi t'es-tu décidé de revenir dans ma vie, Anita? Pourquoi? Dis-le-moi franchement, hein?
Anita, je t'en prie, parle-moi. Je t'en prie, parle-moi, c'est moi. C'est moi, c'est Richie. Est-ce qu'elle te maltraite? Hein? Je t'en prie, parle-moi. Bro, je pense que c'est le temps pour toi de partir. Moi. Bro, hey! Je t'en prie, accorde-moi une seconde. Anita. Hey, mon vieux, tu dois partir maintenant. Allez, prends la porte, s'il te plaît. Prends la porte, non? Prends la porte. Prends la porte, maintenant. Anita, franchement? Je t'en prie, va-t'en maintenant. Espèce de sale empoté. Ça va aller. Allez, ça va aller, ok? Je ne le permettrai plus d'entrer, d'accord? Ne pleure plus, s'il te plaît, ne pleure plus. Je sais qu'elle est en train de me mentir. Ils sont tous en train de me mentir. Franchement, je ne sais vraiment plus où j'en suis. Quelque chose dans mon cœur est en train de me dire qu'il y a quelque chose qu'elle me cache. Quelque chose dans mon cœur me dit que tout ça est vrai. J'en suis persuadé. Peut-être qu'elle ne veut pas me pardonner. Je le sais. Je sais que ça peut être vrai. Peut-être que tu ne m'as jamais aimé. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne découvrirai jamais sur toi, Anita. J'avais reçu un appel. Te rappelle-t-elle ton enfant mort-né? Hein? Quoi? N'est-ce pas que c'est de ça qu'elle voulait parler? À propos de son enfant mort-né? Fiona, ne me provoque pas. Je parlais de... Au sujet de ton enfant mort-né. Peut-être que tu as fait beaucoup d'avortements et... Ces derniers a endommagé ta matrice, voilà pourquoi tu n'arrives pas. Fiona, tu ne vas plus jamais me provoquer. Parce que je ne veux plus jamais te permettre. Tu ne feras absolument rien. Tu ne le feras pas. Parce qu'au moment où nous parlons, c'est toi qui es venu me provoquer. N'est-ce pas que c'est à toi? Prends-le. Demande-lui. Elle est le mieux placé pour te répondre. Et je suis sûre que cela sera assez convaincant pour qu'elle quitte ma maison tout de suite. Est-ce que je me trompe, Anita? Oh, vraiment? Eh ben, je n'ai chassé personne autour de toi si ce n'est pas cette vieille sorcière. Regarde-toi. Juste prends le temps de te murer. Elle a avancé avec sa vie, elle a tourné la page. Mais toi, il suffit seulement qu'on cite son nom et tu t'irrites. Non, Richie, non. Parce que maintenant, c'est moi qui suis dans ta vie. Je suis la mère de ton enfant. Veux-tu arrêter? Richie, ça suffit, stop. Arrête. Arrête ça parce que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes, un point, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la pitié. Tu m'aimes de tout ton cœur. Non, arrête. Ça ne vaut pas la peine de t'excuser. C'est tous les jours que tu me rappelles combien Anita est meilleure que moi. Hé! Hey, tu ne vas donc pas faire un câlin à ta fille? Tu lui as beaucoup manqué. Toutou. Et où est-ce que tu vas comme ça? Ne prononce pas ces mots.
Peux-tu imaginer? Il ne répond pas à mes appels. Je suis sûre qu'elle est en train de tout lui raconter. Mais elle n'est pas arrivée à ce point. Elle est venue dans cette maison pour m'accuser que j'ai volé mon enfant, mon propre enfant. Oh. Nous ne sommes qu'à deux ici. Pour une fois dans ta vie, tu ne peux pas te laisser tromper toi-même. Mais elle veut rester ma fille. Et c'est la vérité. Ah, il n'y a pas de problème, ma belle. Assieds-toi, prends le temps de souffler un peu. Hein? Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle ne le sait pas. Elle ne s'y est pas préparée. Bien, laisse-moi reprendre ce que je faisais puisque j'ai beaucoup de chats fouettés. Écoute, je suis très désolée de ce qui s'est passé. Bébé. Fiona, prends le temps de te calmer. Fiche-moi la paix. Oh, tu voles. Tu voles. Oh, tu peux voler. Ah, mon bébé. Je sais qu'est-ce qu'elle dit est vrai, tu sais. Je suis sûr que tu es sa fille. Bébé, je suis sûr que tu es la fille d'Anita. Mais ton papa t'aime quoi qu'il arrive, tu sais. Oh oui, c'est vrai. Je t'aime, chérie, de tout mon cœur. J'espère que ta mère aussi. Parce que tu es ma lumière dans ce monde sombre. Tu es d'accord? Oui. Je t'aime, mon amour. Je l'ai entendu. Il a dit qu'il serait mieux s'il avait fait Everest avec elle. Il a dit qu'il allait être un homme très heureux si Anita était la mère de son enfant. Fiona, ne fais pas de mal à tes penchants, ce qu'il dit. Je ne me suis jamais sentie aussi insignifiante de toute ma vie. Comment est-ce que l'homme que j'aime de tout mon cœur peut me dénigrer à ce point? Les voilà, il est sorti et il ne m'a rien dit. Il faut que tu te ressaisisses, ok? Il avait promis qu'il serait si proche de moi et pas d'Anita. J'ai très peur de le perdre. J'ai vraiment peur, je sais pas, il va s'en aller et me laisser. Il ne m'aime pas. Fiona, vas-y doucement, s'il te plaît. Il me l'avait promis. Calme-toi. Il l'avait dit, oui, il avait dit qu'il serait proche de moi. Très proche, proche de moi. Moi seule. Alors, qui est-ce? Je peux voir que tu refuses de rester loin de ma vie. Sûrement nous avons quelque chose de commun. Si tu ne me laisses pas récupérer mon enfant, je ne te laisserai jamais calme. Quelle misérable femme. Quoi d'autre lui as-tu raconté? Je n'ai aucune explication pour toi. Écoute-moi très attentivement. Tu n'as aucun ordre à me donner dans ma maison. Alors sors d'ici. Si Richie m'abandonne, je vais tuer ton enfant. C'est ce que tu penses? Fiona, comment peux-tu penser à faire du mal à un enfant? Tu es malade. Bien. Il se pourrait que je sois malade, mais crois-moi, je ferai exactement comme je viens de te le dire. Écoute, écoute-moi alors très bien.
Si tu oses placer tes sales mains sur ma fille, je te montrerai. Enlève tes sales mains de mon corps. Si tu continues à mettre des mauvaises idées dans la tête de Richie, tu ne vas pas aimer ce qui va t'arriver. Elle était ici. Elle était ici. Elle m'a même menacée. Qui était ici? Qui t'a menacée? Fiona! Elle m'a promis de tuer ma fille. Elle m'a promis de tuer Everest. Si seulement Richie la quitte. Non. Elle n'était pas sérieuse. Franchement, je l'ai vue dans ses yeux. Elle était tellement sérieuse. Elle m'a dit que si seulement Richie l'est fait. Alex, s'il te plaît, je n'en peux plus. Je ne supporterai pas que quelqu'un fasse du mal à ma fille. Je dois aller là-bas, Alex, s'il te plaît. Je dois y aller. Attends. Ok, qu'est-ce que tu penses faire là? Fiona, c'est inadmissible. Anita vient juste d'entrer dans la parcelle. Quoi? Elle a eu le culot d'entrer dans cette parcelle après tout ce que je lui ai dit. Je lui donnerai ce qu'elle cherche. Observons-la et voyons voir ce qu'elle est venue faire. Observer? Mais c'est évident qu'elle est venue prendre l'enfant. Et comment tu vas t'y prendre? As-tu trouvé ce que tu cherches? Comment oses-tu venir chez moi pour voler mon enfant? Espèce de meurtrière. Elle m'appartient. Non, elle n'est pas à toi. Tu as tout perdu. Tu as perdu Richie. Tu as perdu ton enfant avec cette maudite matrice. Maintenant, tu as l'étoupé de venir chez moi pour voler mon enfant, c'est ça? Quelle audace! Tu es une fille éhontée. Pour avoir volé l'enfant d'une femme qui ne t'a jamais fait du mal. Comment oses-tu? N'ose plus jamais mettre tes sales mains sur moi. Sors de chez moi. Je ne partirai pas jusqu'à ce que je vais prendre l'enfant dans mes mains. Je vais rester ici pour attendre. Si tu ne me donnes pas mon enfant, Richie saura tout. Prends tes sales pattes et quitte chez moi. Va-t'en. Ne me touche pas. Dégage. Je récupère le bébé. Ne me touche pas. Avance. Je dis ne me touche pas. Sors. Fiona, ne me touche Avance, pas. Je t'ai dit. Lâche-moi. Je ne veux pas te voir. Lâche-moi. Avance. Ne pars. Me touche pas. Sors de chez moi. Ne me touche pas. Je ne le ferai pas. Je comprends pas ce que tu me fais. T'as déjà offensé un jour?
Je ne quitterai pas ces lieux si tu ne me donnes pas mon enfant. Je ne partirai pas d'ici. Tu n'es pas faite pour être une mère. Tu es une meurtrière et une prostituée qualifiée. Peu importe ce que tu dis, ça m'est égal. Je n'avais pas fait ce que tu dis. Je n'avais pas l'intention de les tuer. C'était une mort. C'était une crise. Tu peux le dire à la police. Moi, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me donneras mon enfant. Je ne bougerai pas d'ici. Anita, tu vas partir de chez moi. Sinon, je vais tout raconter à Richie. Comme ça, tu vas perdre les droits sur ton enfant. Ne me cherche pas. C'est sûr que tu ne comprends pas ce qui se passe. Je suis préparée. S'il doit écouter quelque chose, je suis prête à le faire de moi-même. J'ai besoin de ma fille. Il est là. Allons-y lui dire. Tu ne feras rien. Je vais tout lui dire. Lâche-moi, lâche-moi, hold on. Fiona? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai mal. Non mais... Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que merde tu as foutu? Tu l'as poussée. Elle a poussé expressement. Elle est entrée dans la maison en faufilant pour voler le bébé Everest. Et quand Fiona a essayé de l'arrêter, elle a poussé jusqu'en bas des escaliers. Tu l'as fait. Calme-toi, ça va aller chérie, ok? Doucement chérie, doucement, ça va aller. Allez, doucement, doucement chérie. Doucement, doucement mon corps, ça va aller, doucement, doucement, doucement. Cette fille est cinglée. Comment a-t-elle pu faire ça? Je n'ai jamais vu une femme pareille. Elle s'est immédiatement jetée lorsqu'elle a entendu que Richie était venu. J'avais vu la douleur et la colère dans ses yeux. Pour une fois, j'avais vu que l'amour qu'il a pour moi n'est plus comme auparavant. Mon Dieu, je ne sais même plus que faire. Je pense que je sais quoi faire. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux encore faire, s'il te plaît? Anita, je pense que tu dois quitter cet endroit. Va-t'en dans un lieu très éloigné. Je pense que c'est le meilleur moment pour toi de partir. Ce gars risque de te poursuivre en justice. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je dois fuir? Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Une image vaut mieux que 1000 mots. Et je... Écoute, je te parie que ceci va leur suffire pour prouver à quel point on est méchant. Penses-tu que je vais laisser ma fille et fuir d'ici? Il y a quelque chose qui arrive. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'appelle Richie et je vais tout lui dire. As-tu vu ça? As-tu vu ce que cette sorcière, celle que tu appelles ton soi-disant amour, m'a fait? Richie, elle a voulu me tuer. Elle m'a poussé des escaliers. Elle veut à tout prix voler notre bébé. Elle est très jalouse de moi parce que tu m'as choisi et pas elle. Non. Toi, notre bébé Everest et moi, nous devons aller très loin. D'ailleurs, tu dois mettre Anita en prison. Parce qu'elle est la cause de ma souffrance. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que c'est un mensonge. Je sais que tu t'es jeté toi-même des escaliers pour avoir ma sympathie. Et je te le demande franchement, pourquoi tu fais ça? Tu es prête à te faire du mal et même prête à te tuer. Pour un homme qui ne te mérite même pas. C'est quoi cette bêtise que tu es en train de raconter? Qui t'a dit ça? Okay. Je suis au courant pour la mort de mon père. Je connais maintenant son histoire. Avec mon père. Mais elle n'est pas coupable d'avoir fait cela. Mon père est mort d'une mort naturelle. Non, 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 c'est du mensonge, c'est pas vrai. Elle a tué ton père. Et elle l'a fait. Es-tu si aveugle pour voir cela? Ce n'était qu'une coïncidence, ok? Mais comment peux-tu croire à une prostituée et une meurtrière? Pour une prostituée, elle avait ses raisons. Mais meurtrière? Non, elle n'est pas une meurtrière, elle ne le sera jamais de sa vie. Richie, cette femme est en train de mentir, tu ne le vois donc pas? Ceci justifie une fin pour nous deux. Passe une bonne journée et une bonne vie. Richie,
qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est moi. Cette femme que tu es en train de parler a couché avec ton père. Elle l'a tué. Tu ne le vois donc pas? Mais comment peux-tu, Richie? Richie, cette femme est une menteuse. Elle est une prostituée. Elle est une meurtrière. Elle est tout ce que tu ne voudras pas avoir comme femme. Laisse-moi décider dans ce cas. Ok? Je peux ne jamais savoir pourquoi tu as fait ça. Mais je ne te juge pas. Je souhaite le meilleur que l'univers peut offrir. Prends soin de toi. Richie? Richie? Anita, tu es allée très loin. Anita, je jure en mémoire de mon enfant mort-né que tu n'auras pas de paix. Tu vas le payer. Oui, tu vas me le payer. Salut. Tu m'as appelé. Anita, je t'aime. Je t'aime énormément et sans le moindre reproche. Tu veux dire que tu m'as pardonné? Je veux dire, le docteur a confirmé qu'il utilisait le sexe d'une mauvaise manière depuis des années. Et c'est ce qui a affecté son cœur. Tu sais, avant que tu ne le croises, sa situation cardiaque était déjà en ruine. Donc, ce n'était pas... Quoi? Mon passé n'est pas bon. Je veux vivre avec cette condamnation pour avec toujours. Tout le respect que je te dois, je me fous de ton passé. Je m'intéresse à maintenant et à nous deux. Et avec notre fille, on peut reprendre une nouvelle vie. Je t'en prie, Anita. Je t'aime. Ma poupée, notre bébé. Bébé Everest, t'inquiète, hein? Ta maman sera bientôt de retour. Je suis déjà là maintenant. Richie. Le bébé Everest a très envie de voir sa maman. Dis-moi, comment elle évolue déjà? Arrête avec cette histoire, ok? Moi et la mère de mon bébé sommes ici, ok? Mais... Alors permets-moi, je t'en prie, hey! Mais... Accorde-nous de l'espace. Allô, Fiona, ce qui se passe dans ta maison présentement ici est juste incroyable. Qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est ton mari en devenir. Il m'a ravi le bébé de mes mains. Et comme cela ne suffisait pas, il dit qu'Anita est la mère biologique de l'enfant. Puisqu'il connaît maintenant la vérité sur l'enfant,
Mais elle continue de cacher ce côté de l'histoire où elle est sortie avec son père. Il a dit ça, il me l'a dit ça. Mais je n'arrive pas à croire qu'il revienne dans le bras de cette petite sorcière. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas? Tu vas le permettre de te ravir le bébé Everest pour de bon? C'est bébé pour qui tu as dépensé tout ce que tu avais de précieux. Cela se passera sur mon cadavre. Je ne vais pas accepter cela. Il ne peut pas prendre mon enfant. Il ne peut pas amener Everest loin de moi. Non, cela se passera sur mon cadavre. Je ne vais pas la laisser prendre mon enfant. Je ne vais pas la laisser prendre Everest, tu m'entends? Tu dois agir vite. Je n'arrive pas à y croire que nous allons passer la nuit ensemble pour la première fois avec notre bébé sur les bras. Merci énormément, Richie. Je suis reconnaissante envers toi. Comment est-ce que je peux te payer en retour? Tu sais, cette chose que tu me cachais à chaque fois, tu sais, oh, c'est la ferme. Tu es toujours comme ça, toi. Toujours. Tu devrais aller voir le bébé. Oh, tu as raison. Je dois aller la voir. Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Vas-y d'abord. Je suis derrière toi. Ok. Oh. Vraiment. Oh oui. Mais elle n'avait pas dit quelque chose. Bébé, doucement. Vas-y, prends. Ok. Oh, mon bébé. Ok. Quoi? Ah, il n'y a rien, il ne sait rien du tout. Belle maison. Arrête, j'arrive. Ouais, j'avais pas vu ça, c'est magnifique. Il y a un problème? C'est comme si je n'arrive pas à identifier la clé. Donc? Oui. Ah, ok. Bébé, calme-toi. Oh, doucement. Ah, vraiment. Venez, j'ai réussi. Il était temps. Pardonne-moi, papa, pour ce que je suis sur le point de faire. Il m'a abandonné et il est parti avec mon enfant. Maintenant, je vais les détruire tous. Si je ne peux pas avoir Everest, personne d'autre ne l'aura. Tu n'es rien d'autre qu'un homme méchant. Tu te caches derrière ton insécurité pour traumatiser ta femme. Tu es malade, tu es très méchant, tu es cruel. Tais-toi! Tu dois avorter cette grossesse. Je n'avorterai pas de cet enfant. Tu te trompes. Je n'avorterai pas, c'est mon enfant. C'est notre enfant. Tu es responsable de cette grossesse. Tu es une menteuse. Tu dois te débarrasser de cette grossesse. Je ne le ferai pas. Je ne me débarrasserai pas de cet enfant. Non, ah, non, 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 pitié, 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 je t'en prie. Je t'en prie, ne fais pas ça. Si tu veux faire du mal, je t'en prie. Mais ne fais pas du mal à mon bébé. Tu dois t'apprendre à me respecter et à ne plus me manquer de respect. Ah!
Avant de quitter Kester, j'étais dans un très sale état. Et c'est comme ça qu'Anita m'avait prise. Elle et son mari n'ont jamais su que j'étais mariée. Ils ne connaissaient rien concernant mon passé. Ils m'ont pris comme un de leurs. Et un jour, il faisait froid. Anita n'était pas à la maison. Et la chose s'est passée. Et je savais que Dieu m'avait remis l'enfant que j'avais perdu. Je savais que cet enfant était à moi. Je savais que Dieu me l'avait remis. Fiona, ne perds pas la tête. Je n'ai pas perdu la tête. Je sais qu'il n'est pas encore tard. Si quelque chose arrive maintenant, je vais tuer cet enfant. Comme ça, je vais les infliger toutes les douleurs que j'aurais senties. Que Dieu le pardonne. Fiona, ne penses-tu pas que tu vas très loin? Aller très loin? Mais n'est-ce pas que tu es mon ami? N'est-ce pas que tu es censé être de mon côté? De quel côté es-tu? Dis-moi, tu étais censé être de mon côté, mais bien sûr, je suis là, je suis avec toi, mais tu l'as fait décider. Mais dis-moi, calmez. Écoute, on y va doucement. Si je n'ai pas mon enfant, je vais faire le pire. Est-ce que je vais bien agir? Et si elle arrivait? Au fait, et si elle tuait les bébés Everest? Elle s'est foutue elle-même dans le pétrin. Je ne peux rien si ce n'est la protéger. Et si c'est à moi que revient le blâme pour ce qui arriverait à la suite? Non, je ne peux pas la trahir. Elle a besoin de mon soutien, à cet instant. Non, je ne peux pas lui tourner le dos, non. Non. Everest, tu es maintenant à moi. Je ne vais laisser personne nous séparer. Nous sommes ensemble à nouveau. Oh, bébé. Anita. 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 Oh. Alex. Tu as laissé tomber ceci en bas? Non, ça ne m'appartient pas. Attends un peu, laisse-moi voir. Ça ressemble à l'écharpe de Fiona. Oui, oui, c'est une écharpe de Fiona. Qu'est-ce que Fiona? Quoi? Non, non, elle a pris mon bébé.
Elle a pris Everest, je n'ai pas vu mon bébé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible ça. Je n'ai pas vu l'enfant là-bas. Elle a pris mon bébé. Immédiatement. Allô? Elle s'est échappée de l'hôpital. Mais qu'est-ce qu'on attend au juste? Nous perdons beaucoup de temps là. Comment la retrouver? Nous sommes en voiture depuis un bon long moment. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre mon enfant. Je n'ai pas envie de la perdre. S'il vous plaît, faites quelque chose. Je pense que j'ai une idée d'où on peut la trouver. Où ça? Oh. Allons-y seulement, ok? Croyez-moi. Mon bébé Everest, je suis très ravie de t'avoir à nouveau dans mes bras. Écoute, je t'ai promis que je ne laisserai plus personne t'éloigner de moi. Ne suis pas cette stupide femme qui prétend être ta mère. Anita n'est pas ta mère, c'est moi ta maman. Je prendrai très bien soin de toi. D'ailleurs, quand tu vas grandir, je ferai tout pour que tu sois à l'aise. Je te raconterai l'histoire de cette femme qui prétend être ta mère, ok? Personne ne t'amènera loin de moi, mon amour. Personne, chérie. Merci d'être revenu. Je m'occuperai bien de toi. T'inquiète pas, tu seras à moi pour toujours. Ok? C'est bon. Je suis là, chérie. Maman est là. Ok? Chérie, personne ne t'amènera loin de moi. Non. Non. La voilà. La voilà. Fiona. Ne t'approche pas. Ne vous approchez pas de moi, Fiona. Ne vous approchez pas de moi. Partez loin. Où est mon enfant? Où est mon bébé? S'il te plaît. Tais-toi. Tu cherches à détruire ma vie. Tu veux prendre mon bébé? Vous tous voulez prendre mon bébé? Vous voulez l'amener loin de moi? Je ne vais pas vous le permettre. Une enfant. Je ne vous le permettrai pas. N'essaie surtout pas. Je vais garder ce bébé. Si je n'ai pas ce bébé, personne d'autre ne l'aura. Sinon, je vais tuer ce bébé. Non, okay, écoute, je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai ce que tu veux. Je viendrai avec tu toi. Mens. Tu mens. Je ne mens pas. C'est pas vrai. Je t'en prie. Arrête ça, Fiona. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu as fait? Richie, s'il te plaît. Doucement, mon vieux, doucement. Richie. Ne le touche pas! Il est à moi! Qu'est-ce que ça? Ne me touche pas!